Des chars français en Ukraine, c'est pour bientôt. L'Elysée vient de l'annoncer et Kiev est ravi. Des chars AMX-10 RC. Alors ces chars-là, ces dernières années, l'armée française, elle les remplace peu à peu parce que leur conception date quand même des années 70. Sa force, c'est de pouvoir faire un peu de tout. Il est blindé, un peu, et armé beaucoup, avec un canon de 105 mm, mais il reste assez léger, et du coup très mobile. D'ailleurs, il a des roues et non pas des chenilles. Et ça, c'est excellent pour la vitesse de pointe. Un AMX-10 RC peut parcourir 600 km d'un coup, voire beaucoup plus dans des conditions idéales. Alors à quoi il sert ? Faire de la reconnaissance, accompagner des troupes au combat, voire affronter d'autres engins blindés. Il est très polyvalent. Mais en réalité, son efficacité sur le terrain dépendra surtout d'un facteur, la formation des soldats ukrainiens. On ne sait pas encore jusqu'à quel point ils sauront tirer le maximum de leurs AMX-10 RC, mais on sait que de toute façon, ça prendra plusieurs mois avant qu'ils sachent utiliser leur nouvel armement français.